C'est le patrouilleur Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Plus ce qu'on touche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Deuxième chaussure. Il y a tellement de désordre ici que je ne peux pas t'aider. Désolée, trésor. Il faudrait que tu ranges quand tu rentres, mon chéri. Oui, maman. Je les adore, ces chaussures. L'autre ne doit sûrement pas être très loin. Oh, oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots, les Bas-Robots, des Bas-Robots, Brico-Robots, Costo-Robots. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Notre ami terrien a dit qu'il cherchait un double de cet objet. Dico Robot, identification. C'est une chaussure. Elles viennent toujours par paire. Donc, sans la deuxième chaussure, notre ami terrien ratera le match. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. On va retrouver la chaussure pour être capable de dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, retrouver la deuxième chaussure. Faisons vite comme une météorite. C'est dur de trouver quoi que ce soit ici. Ces quartiers terriens sont vraiment en désordre. Peut-être que si on range ce bazar, on retrouvera la chaussure. Il faut compter à peu près 2 jours terrestres pour ranger tout ce désordre. On n'a pas autant de temps. Mais par contre, il y a les robots. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux l'on amène. Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récurobot, activation. Récurobot, à votre service. Ah! Quel désordre! C'est l'heure du nettoyage. Nettoyage! Ah! Nettoyage! Ah! Et 2 points pour Décorobot. Génial. Récurobot aime vraiment faire le nettoyage. Mais je ne vois de chaussures nulle part. Qu'y a-t-il, Rover? Tu vois quelque chose?
La chaussure! Bel effort, l'équipe! On a la paire! Celle de gauche ne semble pas pareille. Oh, je sais! Cette chaussure-là n'a pas de ficelle dessus. Dis, Corobo, est-ce que c'est important? En fait, ça s'appelle un lacet. Ça permet d'attacher les chaussures. Chers acolytes, séparez-vous et cherchez le lacet. Oh, tu l'as trouvé! Non! Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un astéroïdosaure enragé. Ah! Tous aux abris! Ah! Nom d'un gaz de Jupiter! Cette chose a mangé le lacet! Attrapez-la! Elle est dans sa grotte. Chef, croyez-vous que ça soit une bonne idée? Elle vient de manger le lacet. Qui sait de quoi elle est encore capable? Envoyez Rover pour cette mission. Moi, je ne peux pas y aller. Je suis bien trop important pour la mission. Je crois qu'elle dort. Mais quelle est cette chose? Elle ressemble à Récurobo. Ouais, enfin, la version vieille et détraquée. Si c'est un robot, il suffit simplement qu'on l'allume. Ensuite, il va nous le rendre, ce lacet. Les robots obéissent aux ordres de la patrouille. Chose étrange, activation. Activation. Elle est sûrement cassée. Alors, on doit la réparer. Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre vous désigné? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Réparobot, activation. Réparobot, à votre service. Réparobot, est-ce que tu peux la réparer? Je ne suis pas sûr. Chef, c'est un robot extrêmement ancien. Je vais essayer de l'allumer. Mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Activation? Oui, on avait déjà essayé ça. Dans ce cas, je ne peux absolument rien faire. Rentrons au vaisseau. Qui veut des friandises? Réparobot, tu n'aurais pas des outils pour nous aider par hasard? Attendez un peu. J'ai une idée qui me passe par la tête. Je pourrais me servir de mes outils. Primo, il faut que je le mette sous tension. Carte mère, peux-tu m'envoyer un électromoteur? Le modèle de course, si possible. Réparobot, cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce vraiment nécessaire? S'il y a quelque chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Activation. Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Qu'il n'aspire tout ce qui se trouve sur cette planète. Si l'on se fie à tous mes calculs, impossible de l'attraper. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. J'abandonne. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1... Mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Je la tiens. Je ne suis pas capable de l'arrêter. Si l'on se fie à tous mes calculs, impossible de l'arrêter. À moins, bien sûr, d'avoir une corde. Une corde? Qu'est-ce qui pourrait me servir de corde? Très bonne idée, Rover! Je vais me servir de sa queue comme corde!
n'était pas si terrible. Je retire ce que je viens de dire. On a retrouvé le lacet. Je vais lacer la chaussure en une nanoseconde. Et moi, nettoyer à triple vitesse. Ces chaussures de sport sont sidéralifiques. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Oh, fantastique! Mes chaussures que j'adore! Maintenant, je peux aller au match. Merci, patrouilleur Roger! C'est sidéralifique! Es-tu sûre de vouloir vendre ton tambour? Oui, je ne sais pas comment le réparer. Allons prendre une limonade avant le début de la vente, tu veux bien? D'accord, maman. Au revoir, tambour. J'aimerais bien pouvoir te réparer. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dis qu'au robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots, les Barobots, des Barobots, Brico-Robots, Costo-Robots. Alors, quel robot il vous faut? On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Ils ont vraiment de drôles de choses sur Terre. Quelque chose d'atroce a dû arriver et tout détruire sur cette planète. Ah! Chef, ce secteur n'est pas sûr du tout. Je suggère que vous envoyez Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. En plus, je ne crois pas que quelque chose a détruit ce secteur. Notre ami terrien a dit qu'ils essayaient de vendre ses affaires. Et c'est cet objet qui le rendait triste. Dico Robot, identification. Objet identifié. C'est un tambour. Nom d'une fusée. C'est ça. Tambour. Instrument sur lequel on tape pour faire de la musique. Notre ami terrien n'arrive plus à jouer avec. C'est parce qu'il manque le haut. Ça, c'est une mission supersonique. Une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le tambour pour que notre ami puisse en rejouer. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer le tambour. Faisons vite comme une météorite. On doit trouver quelque chose pour remplacer le haut. Bonne idée, Rover. Essayons ça.
Oups. Ce papier-là est très léger. Il faut qu'on arrive à l'attacher au tambour. Chef, on n'a aucun outil. Mais par contre, il y a les robots. Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre désigné. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Répare-robot, activation. Répare-robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Répare-robot. Il faudra que tu attaches ceci au tambour. Je vais arranger ça en une nanoseconde. C'est la tâche parfaite pour mon tournevis supersonique numéro 9. Répare-robot, cet outil m'a l'air d'être surpuissant. Eh, chef, s'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est qu'un outil trop puissant, ça n'existe pas. Et voilà, le tour est joué. Un vrai jeu d'enfant. Répare-robot, tu l'as complètement détruit. Ouais, on dirait qu'après tout, il y a bel et bien des outils qui sont trop puissants. Celui-ci semble en faire partie. Tiens. Merci, chef. Bon, je vais réessayer. Excepté que cette fois, je vais utiliser mon tournevis supersonique numéro 8. Et voilà, j'ai terminé. C'est une affaire classée. Bon travail, Répare-robot. Testons-le à présent. Oups. Ce papier, ça ne donne rien. Il va falloir qu'on fabrique quelque chose de toute pièce. Si l'on se fie à tous mes calculs, c'est pas possible. Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur de l'air. Et surtout pas quand il y a des robots. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico-robot, activation. Brico-robot, à votre service. Brico-robot, on a besoin que tu fabriques un tout nouveau tambour. Très intéressant. Ceci est un appareil simpliste qui sert à faire de la musique. Constructus Maximus Tambourinus. Nom d'une constellation! Est-ce qu'il fait de la musique? Oui, c'est sur ça que j'ai travaillé en particulier. Plus besoin d'utiliser ses mains. Il joue tout seul maintenant. Nom d'un gaz de Jupiter! Il a perdu les pédales! Attrapons-le avant qu'il ne s'échappe. Je m'en occupe. Non, c'est moi. Vous êtes en train d'écraser mes processeurs. Rover, attention. Oui, bon chien-chien. Chef, impossible d'attraper ce tambour. Un patrouilleur garde son calme, quelle que soit l'alarme. On doit réfléchir. Eh bien, quand il s'agit de réfléchir, c'est moi le robot qu'il vous faut. Jamais rien ne m'échappe. Oh! Je suis dans un trou noir. J'ai la tête qui tourne. Le tambour! Attrapons-le! Attendez! Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Comme c'est compliqué d'aller à lui, peut-être qu'on pourrait le faire venir à nous. Que tout le monde tambourine!
Chef, ce ne sont pas des tambours. Je sais, mais le son qu'ils font y ressemble. Tous ensemble, on tambourine. Ça ne semble rien changer, à moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas, elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Ah, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Tambouriner! Ça fonctionne! Est-ce que ces trucs s'enlèvent, Brico-Robot? Eh bien, sur un plan technique, oui. Mais après, il ne fera plus de son tout seul. C'est pas grave. Je crois que notre ami terrien veut faire sa propre musique. Et maintenant, son tambour est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Mon tambour! Il est réparé! Tu as raison. Mais comment? C'est le patrouilleur Roger! Merci, Roger! C'est sidéralifique!